S'insurgeant contre la prise de pouvoir par la force, devenue monnaie courante sur le continent, le délégué général de l'Union des démocrates socialistes du Togo, UDS Togo, Antoine Fally dit croire à une alternance politique, apaisée, au Togo. Reçu ce jeudi sur les ondes de Victoire FM, une radio privée de la capitale, ce vétéran de l'opposition a dénoncé cet énième coup d'État en Guinée, soldé par la capture du président Alpha Condé. Ce dernier qui a modifié la constitution pour briguer un troisième mandat. Une posture qu'il combattait de toute son énergie quand il était encore opposant. Si j'accède au pouvoir, je ne ferai pas comme Alpha Condé, a claironné Antoine Fally, réagissant sur la volte-face opérée par le dirigeant guinéen, une fois sa prise de pouvoir. A souligné que le délégué général de l'UDS Togo a toujours privilégié des discussions avec le pouvoir de Lomé. Convaincu Tchou, aucun parti politique de l'opposition au Togo ne peut réussir tout seul cette lutte, Antoine Fally a de nouveau lancé un appel au rassemblement de toutes les forces démocratiques pour, dit-il, proposer une nouvelle offre politique susceptible de conduire une meilleure gouvernance du pays. Notons que l'USD Togo a pris part aux travaux de la concertation nationale entre acteurs politiques, initiée par le gouvernement en vue des prochaines élections régionales.